que les précipitations débutent cette nuit et c'est plutôt ce midi qu'elles sont arrivées. Donc, sachant que les écoles étaient fermées aujourd'hui, bon, on savait qu'elle allait avoir beaucoup moins de gens sur la route, mais on était prêt à intervenir peu importe le temps de la tempête. Le ministère a déployé tous ses effectifs pour être sur le réseau et rendre les routes le plus sécuritaires possible. Il faut savoir quand même que la stratégie du ministère là, dans une tempête, c'est vraiment de limiter l'accumulation de neige parce que présentement, les précipitations étant assez intenses, l'accumulation est très rapide. En fait, c'est plus de 120 camions qui sont à l'œuvre présentement pour couvrir là, un peu plus de 2700 km de route. On s'est assuré d'avoir une rotation efficace entre les équipes de jour et de soir. On parle, là, oui, de quelques sorties de route, mais heureusement, aucun accident grave. On a aussi constaté, là, quand même, certains usagers qui se sont retrouvés pris dans la neige. Donc, le ministère a vraiment déployé des effectifs pour être en partenariat avec la Sûreté du Québec, qui, eux aussi, en ont plein les bras, là, pour vraiment permettre d'avoir des gens sur le terrain qui peuvent assister les usagers en cas de besoin.